été invité à participer à 2 jours de workshop à La Place. On a eu l'opportunité de rejoindre des DJ venus d'Allemagne avec qui on échange et on crée une routine sur ces 2 jours. Wir sind mit mehreren DJs zusammengekommen, also französische und deutsche DJs, und wir tauschen uns aus. Wir haben angefangen zu cyphern, wir scratchen einfach rum, tauschen uns aus, unterhalten uns, tauschen Techniken aus. L'idée, c'était aussi de pouvoir échanger sur différents sujets, ça va sur les styles musicaux, autour de la musique dans les clubs. Les DJs viennent aussi avec différents skills et différentes expériences autour du beatmaking, de la composition musicale. Du coup, on a pas mal échangé aussi sur ces sujets-là. On a trouvé beaucoup plus de similitudes que de différences en fait avec les DJ. À part la langue, franchement, pas tant que ça. L'échange avec eux, ça nous a permis de voir qu'on peut avoir des objectifs en commun. Je spreche leider kein Französisch, aber wir sprechen alle eine Sprache und das ist Hip-Hop und da kann man sich gut verständigen, aber wir können uns sehr gut unterhalten. Also die Kommunikation ist top. S'il peut y avoir le retour en Allemagne, ça permet de voir aussi les lieux, la façon dont l'accueil peut être fait aussi sur l'aspect musical et comment ça s'organise en Allemagne, parce que quand on parle d'échanges culturels, c'est parce qu'il y a forcément des différences et des différentes façons de faire. C'est ça qui est hyper chouette dans l'art et dans la culture en général. Der Austausch mit Menschen ist ziemlich wichtig, also live, dass man sich kennenlernt, dass man sich einfach, ja, durch die Kommunikation und auch durch die Emotion oder Sympathie eines Menschen halt sehr gut austauschen kann. Und das ist hier passiert. Man trifft einfach auf fremde Menschen und man ist sofort, man hat sofort einen Nenner und ja, es ist so Sympathie halt, ne? Das